tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On a passé une super keynote durant laquelle vous allez retrouver un petit peu quelques thématiques en plus dans cette conférence que je vous présente aujourd'hui. Petit warning, les slides sont en anglais, donc désolé pour les personnes qui ne comprennent pas forcément l'anglais, mais il y a beaucoup d'images, donc vous allez vous y retrouver. Vous êtes bien à la bonne conférence, hein, c'est bien, d'observateur à responsable enrayé les biais racistes dans l'UX. En anglais, elle s'appelle Racism Fuels Users' Experiences, Understand the Strength of Bias Narrative. Et donc l'idée, c'est vraiment de déconstruire tout le récit qui va amener nos utilisateurs à vivre des biais racistes, nous-mêmes, comment on va pouvoir, hélas, les infliger. Et l'objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de comprendre comment on peut, de manière empathique, eh bien, éclater cette espèce de plafond de verre racial, ethnique, et quels sont les outils pour ça. Alors déjà, en effet, ça amène cette question, c'est quel est le type de discours qu'on a envie de véhiculer. Et comme l'induit l'illustration, c'est ceux à qui on ouvre la porte et ceux à quoi on ferme la porte. Donc mon prénom, c'est Marcy. Erika, mon nom de famille est en charolois et je suis inclusion advocate pardon, dans la tech. Je fais pas mal de sociologie et je fais surtout de la user experience aujourd'hui. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne plus. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, alors qui je suis? Donc moi, je crée des formations en UX. Je suis aussi Chief Learning Officer, donc je crée des formations chez Pattern.tech. C'est une boîte que j'ai cofondée avec deux devs. Et notre objectif, c'est de débiaiser. C'est ce qu'on fait. Je suis peut-être connue sous cette casquette-là en tant qu'ancienne rédactrice en chef chez We Love Dev. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le média We Love Dev? Levez la main. Ah oui, tout de même. Très bien, bon, peut-être qu'on s'est déjà croisés, peut-être qu'on a déjà écrit des articles ensemble. Donc j'étais en charge de créer davantage d'inclusion dans la ligne éditoriale, tout en prenant en compte les articles techniques qui nous étaient amenés. Je suis une ancienne membre Duchesse. Je suis aussi créatrice de contenu, je vulgarise sur les réseaux sociaux, etc. Je ne suis pas là pour faire mon CV. L'idée, c'est de vous démontrer pourquoi, aujourd'hui, je vous parle de tout ça. J'ai fait d'autres conférences, peut-être que vous les connaissez. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont connue via ma conférence sur les femmes? Pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas les femmes dans la tech? Ok, bonjour. Donc voilà, vous m'avez connue certainement comme ça. J'ai aussi parlé de comment on fait pour créer de l'inclusion pour les personnes LGBTQIA+, de notre industrie. Ça, c'est un peu plus rare. Elle est passée un petit peu plus discrètement, cette conférence-là. Et j'ai aussi co-créer une conférence sur la mixité dans la tech et à quel point les développeurs étaient en charge de tout cela. Ok, donc c'est bon, c'est revenu. Donc je vous disais, l'idée, c'est pas de faire mon résumé, c'est pas de faire mon CV, c'est de vous expliquer comment on en est arrivé là et quelle est mon histoire personnelle avec tout ça. Donc moi, mon histoire personnelle avec le racisme, malheureusement, ça a commencé quand j'étais enfant. Déjà, quand j'étais enfant, ma peau, elle était beaucoup plus foncée et en fait, j'étais clairement l'apport foncé de mes camarades blancs, à tel point que du coup, les autres enfants faisaient des comparaisons avec moi. À savoir qu'on m'appelait chocolat, café ou merde. Donc quand on commence sa vie comme ça, c'est un peu compliqué, sachant qu'en plus je ne suis pas noire, hein, donc j'étais plus foncée mais je ne suis pas noire. Il y a quand même un truc qui est très déshumanisant dans l'approche et dans l'expérience. Quand on vous le répète, quand on vous le surine, vous finissez par y croire. Moi je me souviens qu'à 6 ans, j'avais extrêmement envie de devenir blanche et j'en étais arrivée à un point où j'étais dans un burn-out racial à 6 ans. C'est pour vous dire à quel point ça commence tôt, la représentation, les stéréotypes dont on parlait ce matin, ça commence très très tôt. Je me souviens qu'à 6 ans, j'étais en train de prier en me disant « mais faites que j'ai la peau claire, faites que je sois blonde, faites que j'ai les yeux verts, faites quelque chose, mais faites quelque chose. Je n'en peux plus d'être la personne racisée de la classe, d'être l'élément coloré de la classe ». Bon, après, il y a un truc cool, c'est que du coup, je suis arrivée dans une autre école où il y avait beaucoup plus d'inclusion, beaucoup plus de diversité. Donc là, je suis devenue normale. Et ça, c'était vachement bien. C'était vachement bien parce que finalement, j'ai pu me réapproprier qui j'étais, mon identité, mes normes, mes valeurs. Et devenir la normalité, c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi quand on essaie de débiaiser. Il y a un autre point. Quand on grandit, après, on arrive dans le secteur professionnel. Et là, j'ai été confrontée à carrément autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a fait le truc à l'inverse. Vu qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus claire, quand des recruteurs, des recruteuses, des RH venaient me voir, on me disait que c'était cool parce que justement, j'étais métisse, mais pas noire.
que j'ai les cheveux bouclés, ondulés, certes, mais j'ai pas les cheveux crépus. Donc en fait, je suis plus professionnelle que des personnes de ma famille, par exemple. Niveau déshumanisation, c'est un biais extrêmement courant. Les cheveux afro, ne sont pas perçus comme professionnels. La couleur de peau noire n'est pas perçue également comme ça. Donc en fait, en gros, j'ai de la chance parce que waouh, j'étais africaine, afro-descendante d'ailleurs, mais justement assez blanche pour passer les lignes. Quel privilège! Donc vous l'aurez compris, je suis métisse, j'ai un multiculturalisme de zinzin, j'ai 22 ethnies à mon compteur tout de même. Donc il y a de l'Asie, il y a de l'Africain, il y a de l'Ibère, donc Portugal, Espagne, Scandinavie. Ça se voit pas trop. J'ai du Moyen-Orient aussi, et il se trouve que j'ai de l'Amérindien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant ce travail généalogique, je me suis dit, mais en fait, je peux qu'être fière de qui je peux qu'être fière de ma famille, où il y a littéralement toutes les religions qui sont représentées, toutes les couleurs, tous les types de cheveux, enfin, vraiment, il y a de tout. Ce qui m'amène aujourd'hui dans une position de militantisme qui est radicale, mais empathique. Donc, clairement, je suis pas là pour vous faire passer des idées en force, mais il y a des trucs sur lesquels je ne négocie plus, et c'est ce aussi, en fait, c'est la direction que vous devez prendre. Il y a des choses sur lesquelles vous devez être complètement dans un non catégorique. Ce qui m'a amené progressivement à avoir confiance en moi, c'est des rôles modèles. On le connaît dans la tech, on a besoin de rôles modèles. Ben, moi, j'avais besoin de rôles modèles à la fois dans la tech, mais aussi pour qui je suis. Il se trouve que c'est tombé sur Okaya Diallo, alors peut-être que vous la connaissez, si vous la connaissez, vous pouvez lever la main, juste que je sache que je prenne la température de la salle. Ok, très bien. Donc Rokhaya Diallo, en fait, c'est une féministe qui est inclusive, qui est africaine et française, et il se trouve qu'elle a rédigé un bouquin qui est génial, qui s'appelle The Racism, a User's Guide, donc en gros un guide pratique sur le racisme. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était en 2017, 2018, quelque chose comme ça, de la polémique par rapport au sparadrap. Ça vous parle? Je vois des gens qui font « oui ». Très bien. Il se trouve que même moi qui vous parle aujourd'hui de biais raciste, plus jeune, j'étais clairement sur plutôt la deuxième partie, là, enfin, à partir du troisième sparadrap jusqu'au quatrième. Vous pouvez le constater, aujourd'hui, je suis plus de ce côté-là, du coup, hein, du côté plus clair. Il se trouve que moi, en tant qu'adulte racisée, je ne voyais pas le problème. Je ne voyais pas le problème du manque de représentation sur les sparadraps. Je me disais, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une polémique? Voilà, tout simplement parce que, à force d'avoir baigné dans une société coloriste, j'avais complètement zappé que moi-même, en fait, j'étais afro-descendante et que cette problématique, elle avait du sens. Elle a du sens pourquoi? Parce que, finalement, moi qui est en train de me dire, mais en fait, le sparadrap n'a qu'un seul but, hein, c'est de stopper le saignement et d'éviter une invasion bactérienne, le but a rempli. Sauf que non. En fait, quand on met un sparadrap, on n'a juste pas envie qu'il soit visible. Et c'est là où je manquais toute la chose. C'est-à-dire que toutes les carnations, finalement, n'ont pas ce besoin aussi de représentation. Enfin, n'ont pas, malheureusement, accès à ce besoin de représentation. Et donc, du point de vue fonctionnel, ça fonctionne, on est bien d'accord. Sauf que d'un point de vue de représentativité, ça ne fonctionne plus. Et c'est tout le point de Rokhaya Diallo, qui d'ailleurs, dans son livre, explique que finalement, il y a la base neutre, donc la couleur blanche, et elle a racisé les autres, les personnes dites de couleur. Donc finalement, ce qu'on a rendu complètement neutre, c'est la couleur blanche. Après, on pourra me dire, oui, mais je suis beige, ça m'arrive assez souvent. Néanmoins, il se trouve que d'un point de vue racial, ethnique, on est totalement dans le problème. C'est-à-dire qu'on a des gens dits de couleur, et puis les autres, la norme. Et quand vous n'êtes pas dans la norme, il y a beaucoup plus de souffrance. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Rokhaya Diallo, ça a été mon guide durant une aventure formidable durant laquelle j'ai été chef de projet. J'étais chef de projet sur un véritable concours qui a été lancé par Louis Vuitton. J'ai travaillé avec l'équipe que vous pouvez voir derrière moi, qui, comme vous le constatez, est ultra multiculturelle. Donc on a des personnes de confession musulmane, des personnes juives, des personnes créoles, des personnes européennes, des personnes africaines. Vraiment, on avait de tout dans cette équipe. Et donc le brief de Louis Vuitton, c'est de créer la meilleure user experience pour un bagage connecté qu'on doit complètement inventer et qui est en lien avec une stratégie qu'eux sont en train de mettre en place en interne.
on participe donc à ce concours et on se dit que notre bagage connecté, donc tout ça s'est créé, hein, on l'a imaginé, on a tout fait, notre bagage connecté, il fallait qu'il nous ressemble. C'est ce qui est ressorti de notre brief. On s'est dit, purée, si on doit faire quelque chose qui représente notre équipe, en fait, c'est notre multiculturalisme. Parce qu'on va représenter aussi bah, tout un tas de clients, tout un tas d'utilisateurs qui seront extrêmement divers. Et c'est ça notre force. C'est qu'en fait, on est à même de comprendre beaucoup de choses, contrairement à d'autres équipes qui seront plus homogènes. Et donc, on propose ce modèle-là. Il se trouve qu'en proposant ce modèle-ci, on va proposer différents bagages suivant eh bien, les continents. Donc, vous avez le bagage européen, le bagage américain, le bagage africain, le bagage arabique, le bagage asiatique. Et comme vous pouvez le constater, on a fait un travail de recherche qui nous a demandé de ne pas être dans une posture égotique, mais purement empathique. À tel point que, vous pouvez le constater au centre, vous avez un symbole fort qui représente le continent, en principe. Et en fait, dans les petits détails et sur les pourtours, vous voyez bien que les modèles, enfin les motifs sont complètement différents tout autour. On a fait un travail de recherche, on s'est dit, mais on va mettre en évidence aussi les minorités ethniques de ces continents. Typiquement, pour l'européen, vous avez la tour Eiffel qui est en plein milieu, mais en fait, ce qu'on voit peut-être un peu moins bien, c'est les azulejos qui témoignent du métissage, du côté multiculturel qu'on a eu justement dans la partie ibérique, avec tout un héritage musulman. Pareil pour la partie américaine. Alors oui, la Statue de la Liberté, ça représente beaucoup de choses sur le continent américain, mais il n'y a pas que ça. Donc tous les motifs autour, ce sont en fait les résultats de recherche qu'on a menés, qui sont issus des minorités natives de ce continent, et également des peuples qui sont en train de se perdre, typiquement les peuples inuits, on a voulu les représenter. Donc on a fait ça systématiquement sur tous les bagages, pour ne louper personne et rendre hommage à tout le monde. L'idée, c'est d'être évidemment le plus empathique et le plus inclusif possible. On a réalisé aussi deux applications. Donc on a une première application qui, elle, est plutôt dans la gestion du bagage connecté. Comment on fait pour activer des badges, activer la fidélité, le besoin de représentation, une immersion totale à tel point qu'on a même développé aussi du coup, des playlists disponibles sur Deezer avec des thématiques bien précises qui peuvent s'activer avec votre bagage connecté. Donc Paris s'éveille, Escalario, Destination Le Caire, Capture Kyoto. Et une autre application qui, elle, est à 100% dédiée aux communautés, donc là c'est vraiment les utilisateurs du bagage connecté ou alors les clients Louis Vuitton qui peuvent interagir, se donner des tips entre eux sur les meilleures astuces pour voyager, comment on fait pour se retrouver entre communautés sur place. Il se trouve que sur des centaines de participants, on est arrivé premier. Et donc on a pu présenter tout cela en direct à l'équipe de Louis Vuitton. C'était vraiment une consécration parce que là, on avait pu démontrer à quel point on avait pu gérer tout cela. Et moi, ma stratégie en tant que chef de projet et product manager, c'était ça. Il fallait que je réfléchisse à l'UX sur différents niveaux. Donc déjà, penser purement à l'UX. Aussi, penser au potentiel client et aussi utilisateur. Être au courant des biais qu'on allait infliger malgré nous. L'histoire qu'on voulait raconter. On voulait aussi se réapproprier l'histoire avec un grand H, mais les histoires humaines à travers tous les continents, et aussi définir qu'est-ce que c'est l'ethnicité, qu'est-ce que ça raconte, quelles sont les croyances culturelles, et aussi définir les couleurs de peau, par exemple, dans nos représentations. Alors, si on parle du X au sens propre, au sens strict, généralement, on réfléchit au fait que notre produit, notre service, il doit être fonctionnel, il doit être utilisable, il doit être esthétique et il doit conduire à une bonne expérience. Alors oui, c'est bien, mais c'est basique. Donc moi, je vais rajouter quelques épices sur tout cela. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Sur la partie fonctionnelle, la partie utilisable, on va réfléchir aussi à la faisabilité. Donc, technique, ce que ça va induire sur le code, comment on réfléchit à tous nos wireframes, etc. L'expérience, il faut qu'il y ait une viabilité business, et oui, on ne développe pas des produits uniquement pour le plaisir, malheureusement, donc réfléchir à la viabilité business qu'on en ressort. Sur la partie esthétique, on va avoir l'idée de se dire comment on développe la désirabilité chez le client, l'envie du client ou de l'utilisateuriste à venir sur notre produit. Mais est-ce que c'est tout ? Non, on va encore corser la chose. Parce que si on veut réfléchir à quelque chose qui soit totalement inclusif, il faut qu'on ait la partie éthique et responsable au centre.
si on ne réfléchit pas à ça, qui interconnecte littéralement tous les points, on ne va pas avoir l'adoptabilité du produit auprès des utilisateurs la plus efficace possible. Ça ne fonctionnera pas. Donc si on pense à tous ces points avec ce point central qui est donc la partie éthique et responsable, on peut y arriver. On va avoir une meilleure adoptabilité du produit. Le seul problème, c'est que tous ces points, littéralement tous, chacun d'entre eux, ont des biais racistes. Et je sais, I know, that sucks. Donc les questions que vous devez absolument vous poser, c'est déjà, est-ce que mon produit et mon service, il est white-driven ? Donc quand on est dans un groupe très homogène, réfléchir à comment on fait pour justement sortir de la norme. Si vous êtes une équipe uniquement blanche sur un produit international, faudra se poser les bonnes questions. Faudra peut-être même faire appel à des experts. D'ailleurs, si vous commencez à observer un standard homogène, n'hésitez pas à réfléchir en termes de diversité, faites des ateliers, et prenez vraiment un état d'esprit qui soit divers d'un point de vue ethnique. Alors là, on va jouer à un petit jeu. Donc cette petite roue qui est assez intéressante, on va se poser la question de est-ce que vous faites partie du top tier social et économique ? Est-ce que vous avez... Alors on va plutôt commencer comme ça. Est-ce que vous êtes un homme ? Vous pouvez lever la main. Regardez-vous. C'est intéressant que tout le monde se regarde. Est-ce que vous avez une full ability, donc vous n'avez pas de handicap, pas de maladie chronique, rien, vous êtes en très bonne santé ? Ok, donc une belle majorité quand même. Est-ce que vous êtes neurotypique ? Et c'est là que généralement, il y a très peu de mains qui se lèvent. On est dans une industrie particulière pour ça, donc c'est intéressant. Est-ce que vous êtes cisgenre ? J'entends par là que vous n'êtes pas non-binaire et surtout pas trans, du coup. Vous êtes une majorité cisgenre, évidemment, il n'y a pas de coming out forcé, on est bien d'accord. Est-ce que vous êtes hétérosexuel en termes d'orientation ? Est-ce que vous avez la peau blanche ? Regardez-vous. Et est-ce que vous avez plutôt un fort pouvoir d'achat, c'est-à-dire que vous pouvez quand même payer des choses à la fin du mois sans trop vous poser de questions ? Aujourd'hui, avec l'inflation, je vais le dire comme ça. Ok. Donc, vous entendez bien que vous faites partie du top tier économique et social de la société dans laquelle on est. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que vous, si vous avez levé la main sur la majorité des points, une grande majorité, vous êtes considéré comme neutre. Vous êtes ce qui est considéré comme typique et vous êtes un standard. Toutes les personnes qui ne rentrent pas là-dedans, ou en très faible proportion, du coup, sont plutôt des personnes qu'on qualifiera d'atypiques, de minorités. Et également, il faut se dire qu'en fait, la richesse se situe là, la diversité se situe à ce point précis. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir de l'empouvoirment sur les expériences utilisateurs sur ce point-là. La question de laisser de l'espace, mettre des quotas, dont on a parlé ce matin, par exemple. Moi, avec mon équipe, à chaque fois, je me posais une seule question, parce que, comme je vous l'ai dit à la base, hein, j'ai aussi des biais, et on en a tous, en réalité. Peu importe qu'on soit une minorité ou pas, on a aussi notre propre set de biais. Il faut qu'on se pose la question systématiquement, comme je l'ai fait avec mon équipe pour Louis Vuitton, est-ce qu'on est dans le jugement et est-ce qu'on est dirigé par l'ego ? Si oui, il faut absolument se mettre dans une posture empathique. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez quelques petits points sur les biais dans la norme, il y a des lois dans l'UX qui sont très intéressantes. La loi de similarité, je ne sais pas si ça parle à des personnes. Bon, en gros, là, vous voyez, vous avez des points blancs et des points, du coup, violets foncés. Instinctivement, votre œil a fait un focus sur tous les points blancs et vous vous êtes dit que tous ces points blancs se ressemblaient. C'est exactement la même chose quand vous allez dans, du coup, des schémas de représentation des personnes. Si vous mettez, par exemple, plusieurs personnes dites racisées, donc les personnes de couleur, ben, vous allez avoir une loi de similarité, similitude, qui va s'appliquer. Vous voyez qu'il y a une diversité qui est apparente. À l'inverse, si vous mettez que des personnes blanches, par exemple, sur une page marque employeur d'une ESN, les personnes dites de la diversité vont voir qu'il y a une similarité blanche. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir le truc. L'effet de Von Restorff, alors là, il est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que normalement, votre œil a focalisé que c'était un point blanc, mais aussi que c'était un rond, et vous avez fait un effet de comparaison avec tous les petits carrés qui sont autour. Typiquement, si vous voulez attirer plus de diversité, on peut parler par exemple des femmes dans la tech, si vous mettez qu'une seule femme autour de plein d'hommes,
Oui, généralement, c'est elle qu'on va remarquer et on va se dire c'est la seule femme au milieu de plein d'hommes. Et ça fonctionne avec toute la diversité en général. La loi Peak End, hyper importante dans le user path, dans le user journey. En gros, quand vous développez vos applications, vos sites web, etc., il y a des moments de tension psychologique durant lesquels il va y avoir un pic de navigation, puis une fin qui va du coup relâcher la pression psychologique, donc toute une série de stress au moment de la navigation. Donc si vous voulez incorporer plus de diversité, évidemment parce que vous en avez dans votre équipe, et je ne sais pas, prenons la page marque employeur, il faudra absolument penser à mettre des personnes de la diversité au début, au milieu et à la fin, donc surtout au moment du pic de navigation. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une meilleure représentativité de la diversité. Pareil, la position sérielle, ça revient à peu près à la même chose, c'est miser sur le début et sur le milieu. La loi de l'uniformité. Alors ça, en gros, il y a des éléments qui peuvent être même très éloignés, peuvent avoir la sensation d'être connectés entre eux. J'avais l'exemple d'une page d'assurance qui, du coup, avait complètement déconnecté les éléments entre eux. Cependant, en fait, ils avaient fait tout un remaniement, ils avaient rajouté des personnes beaucoup plus variées en âge, en couleur de peau, etc. Et ça donnait quelque chose de beaucoup plus harmonieux au moment de la navigation. Et donc, il y avait une meilleure appréciation du produit. Et typiquement, quand on voit des éléments qui, même s'ils ne sont pas présents ensemble sur la même page, tous en mode « c'est la diversité United Colors of Benetton », c'est OK. Faut juste que, du coup, on réfléchisse à quelque chose d'harmonieux de cette manière-là. La loi de Postel, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument garder en tête, c'est soyez libéraux sur ce que vous acceptez et traditionnels sur ce que vous concevez. Restez ultra simple au moment de la conception. En revanche, accepter des idées nouvelles, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui peine. Alors, vous savez quoi ? En général, en fait, on partage une expérience commune. Là, c'est ce qu'on fait actuellement, mais on partage aussi une histoire humaine qui est commune. Et de fait, j'ai envie de vous amener en voyage, parce que ça va être intéressant de le faire. Donc, on va faire un petit voyage à travers l'humanité. Je vais vous demander de participer, car le départ est maintenant. Est-ce que vous connaissez ces personnes ? Qui sont-ils ? Les All Blacks, exactement, bonne réponse. Est-ce que vous êtes en train de notifier quelque chose en particulier sur ces personnes ? Alors, vous avez peut-être remarqué que ce sont tous des hommes, qu'ils ont des tatouages au niveau des bras et des jambes. OK, donc potentiellement, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que de manière, à la base, en fait, les personnes du coup, des îles Cook et donc les Maoris pratiquent le haka de manière complètement diverse. Il n'y a pas que les hommes qui le pratiquent, il y a aussi les femmes. Et vous pouvez aussi constater que les tatouages sont plutôt au niveau de la bouche. Donc, en fait, il y a eu un mouvement post-colonial qui a existé, donc au moment des années 70-80, où il y a eu toute une réappropriation des tatouages, parce qu'au moment de la colonisation, malheureusement, c'était plus accepté de faire ces trucs-là. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des All Blacks hyper tatoués. Mais en fait, de manière originale, tout se situe au niveau du visage. Donc désormais, depuis les années 80, il y a un renforcement de ce code social-là. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la faisabilité technologique ? C'est que malheureusement, ces peuples-là n'ont pas été reconnus par les applications type reconnaissance faciale, rien que sur l'iPhone. Et c'est pire que ça, en fait, ça n'a pas été reconnu comme humain. Et ça, ce n'est pas la seule minorité ethnique qui a été concernée par ce problème-là. Il y a plein d'autres exemples. Vous avez des tribus en Chine qui se tatouent le visage qui ont eu le même problème. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que les minorités peuvent utiliser la technologie. Il y a aussi les tribus berbères et on a également le peuple Wudabé qui se retrouve confronté au même souci. Donc là, je pense que vous voyez à peu près où je vous emmène. Je vous emmène en Afrique, donc on est vraiment dans une époque assez sombre de l'histoire avec beaucoup d'esclavagisme. Il se trouve que malheureusement en Afrique et dans l'héritage africain, on a toute la nomination « master slave » qui pose problème aujourd'hui. On peut aller plus loin, il y a tout un tas de dénominations qui ne font pas appel à ce souvenir très douloureux.
je vous les affiche juste ici. Il faut réfléchir au fait aussi que le vocabulaire, il peut être très offensant. Donc, on peut passer sur un parent-child, on peut passer sur un primary, secondary, au lieu de master-slave. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment un trigger, et en fait, on n'est personne pour juger, hélas, ce que ça représente. Et on a tout un tas d'exemples qui fonctionnent aussi comme ça, dans la faisabilité. Malheureusement, typiquement, on a des cas où les applications d'embellissement, les filtres Instagram, les filtres Snapchat, ont tendance, par exemple, à blanchir la peau, comme vous pouvez le constater, et à affiner les traits, comme si son ethnie n'était pas assez bien reconnue comme étant belle en étant beau. Il y a eu aussi des soucis d'infrarouge en fait, sur les peaux plus foncées. Donc du coup, les outils qui sont développés, type reconnaissance des mains, distributeur de savon, ça ne fonctionne pas, ça a aussi un impact dans la santé. Malheureusement, Google qui reconnaissait encore jusqu'en 2016 les personnes noires comme des gorilles. Hein, donc, voyez, il y a du chemin, il y a plein de choses possibles qu'on est en train de mettre en place. Typiquement, ramener beaucoup plus de diversité sur les emojis, sur les avatars, c'est quelque chose qu'on peut faire pour avoir un côté plus esthétique, beaucoup plus inclusif. Il ne faut pas hésiter à pusher, c'est-à-dire ne pas uniquement prendre les couleurs foncées plus claires. Vous pouvez aller vraiment sur le rang le plus foncé. Ça fonctionne très, très bien également. Aussi, sur les formulaires, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais souvent, on a ce problème-là, c'est que parfois, on a des noms très, très longs qui ne rentrent pas, ou alors des noms très courts, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas de prénom et tout le monde n'a pas de nom. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant, mais suivant d'où vous venez, il y a des caractères spéciaux, il y a aussi des longueurs de patronymes qui fonctionnent plus ou moins bien. Si vous voulez avoir un point de vue très intéressant, vous pouvez scanner le QR code. On a un speaker qui s'appelle Pierre-Yves Lapersonne qui a fait une conférence à ce sujet dans un cas international d'un livrable pour Orange et qui du coup vous explique toutes les problématiques techniques sur le code, tout ce que ça a influencé en fait sur le développement. Donc c'est pareil, le sens de lecture a une influence, hein, tout le monde ne lit pas de gauche à droite et ça c'est quelque chose qu'on oublie malheureusement. Votre écoute très claire. Merci. Merci. Alors du coup ma presque conclusion pour mener une politique antiraciste dans la UX, vraiment essayer de garder une idée inclusive au niveau du design system. Donc on arrête. Anxiété et la dépression. Donc déjà, excusez-moi, j'attends juste que, ou alors sinon je parle en même temps. Donc déjà le type de vocabulaire, réfléchir au fait que le vocabulaire il peut avoir vraiment une incidence. Moi, j'ai déjà eu le cas malheureusement de personnes blanches qui me disaient que des personnes asiatiques dans leurs équipes étaient très performantes. Et que du coup, c'était des bananes. Donc, j'ai pas compris. Et donc, j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, banane ? On m'a dit, non, mais c'est parce qu'en fait, elles sont jaunes à l'extérieur et blanches à l'intérieur. Dans une équipe technique, c'est une femme seule, je me dis, quand on a déjà le biais genré et qu'en plus, on se ramasse des biais racistes, c'est ultra violent. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi d'avoir forcément le truc un peu classique de CTO qui me disent, oui, bon, elle est performante pour une africaine, admettons, voilà, ça je l'ai déjà eu. Donc vraiment réfléchir au fait qu'on embarque les utilisateurs, mais c'est aussi les personnes que nous, on est, ce qu'on a envie de prouver. Donc le vocabulaire, le type d'image, les types d'emojis, les types de photos, etc. Parce que la vulnérabilité, en fait, elle est réelle. Le consentement, c'est pas du tout une blague, et il faut réfléchir à toutes ces informations privées ultra sensible, qui concerne du coup toutes les intersections, c'est-à-dire notre ethnicité, notre âge, nos données de santé, etc. Il faut réfléchir au fait que quand on prélève typiquement dans la user research ce type d'informations, on doit avoir une compréhension claire de ce que sont les risques, on doit avoir aussi un type de diffusion d'informations qui soit clair, misé sur les opt-ins, il faut que ce soit approprié culturellement, il faut que ce soit accessible et qu'on puisse aussi le shooter comme on veut, si jamais on n'a plus envie que ces informations elles transparaissent. C'est quelque chose que je pratique dans mes interviews, par exemple, vraiment réfléchir au type de risque que je suis en train d'engager avec des populations qui sont hautement discriminées. Quand je le fais avec des personnes racisées, par exemple, je réfléchis au fait si elles sont racisées, si elles sont en plus de ça LGBTQIA+. Et du coup, bien sonder, c'est quand même s'enlever une grosse épine du pied. Il faut questionner aussi nos privilèges et notre responsabilité dans les pouvoirs étatique,
Parce que mine de rien, quand on remplit un formulaire dans lequel notre nom est trop long, c'est le cas avec les personnes malgaches comme moi, par exemple, c'est un peu compliqué du coup, d'avoir accès au passeport, donc à la citoyenneté, admettons. Les personnes trans peuvent avoir aussi les mêmes problématiques, malheureusement, avec les changements d'état civil, etc. Donc les impacts en fait, de tout ça, de tous nos biais, de tous nos biais racistes, ils sont réels. Ils vont avoir un impact au niveau du coup, des systèmes économiques, des systèmes politiques, des systèmes légaux, des systèmes de santé, des systèmes éducationnels, l'accès du coup, à la citoyenneté, mais également l'accès à la propriété ou même à la location. Malheureusement, ça a aussi un impact sur les systèmes sociaux, la position géographique et aussi la situation familiale. Et donc, tout cela a un impact commun par le racisme, par l'ethnocentrisme, donc quand on est vraiment dans quelque chose d'hyper homogène, la xénophobie, le colonialisme et le post-colonialisme, hein, l'impérialisme et l'effacement culturel. Est-ce que ça vous parle, la femme qui est tout à gauche, ou pas? Non, il y a des gens qui ça parle ou pas? Non? Ah, tu veux dire ce que c'est? Oui, tout à gauche. Exactement. C'est maintenant quelque chose qui se pratique avec l'IA. Cette personne n'est pas réelle. C'est Levis qui a demandé à des équipes techniques de développer tout un set de fausses mannequins de la diversité. Donc on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire bénéficier cette économie aux personnes qui sont réellement issues de la diversité. On préfère développer des faux modèles, des faux mannequins, de la fausse diversité. Alors ça peut aller encore plus loin. Hein. Finalement, les personnes handicapées, personnes grosses, personnes LGBT. Donc finalement, on est en train de s'enliser dans quelque chose qui est hautement discriminatoire, malheureusement. Autre point, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce tweet qui a été un peu viral d'une candidate d'origine maghrébine qui s'est retrouvée avec un retour par mail de sa candidature. Il faut savoir que les ATS, c'est quand même quelque chose qui est hautement développé dans le recrutement. Et malheureusement, cette candidate s'est retrouvée avec quelque chose d'assez horrible, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une réponse automatique avec un bonjour, son prénom, elle s'est retrouvée avec un bonjour arabe. Bonjour arabe, natif. Et en fait, le truc, c'est que forcément, elle en a parlé sur Twitter en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le logiciel en fait pour que je reçoive ce type de réponse automatique? Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça peut induire pour d'autres personnes? Donc finalement, on peut aussi se poser la question de, par exemple, je ne sais pas si vous développez des ATS, quels sont les types de données qui sont importantes, quel type de données on peut tout à fait blacklister, mais là, avoir un type de retour comme cette candidature, c'est ultra violent, sachant que la personne a répondu. Dans le cas présent, nous n'expliquons pas pourquoi le logiciel a nommé comme prénom arabe et comme nom natif. Voilà, donc telle est la réponse du recruteur, hein, quand même. Pas cool, hein, très franchement, et tout ça ne fait qu'augmenter la pression pour les personnes racisées. Vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'en fait, il faut rajouter de la diversité dans les études, peut-être qu'il faut rajouter de la diversité ethnique dans les STEM. Il se trouve que les dernières études récentes qui ont été menées à Stanford sur le sujet démontrent qu'encore une fois, même sur les candidatures des personnes racisées, il y a malheureusement des biais racistes qui sont appliqués. Donc en fait, ça ne résout pas le problème. Et comme le disait Isabelle Collet ce matin, il faut réfléchir au set de règles avant de pouvoir avoir une véritable diversité qui entre. Donc en effet, on a un regard éthique, nous-mêmes aussi, en incorporant plus de diversité ou en allant même la chercher directement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le petit point juste à côté, mais ça a été un cas hyper intéressant de vidéosurveillance qui, en fait, à force d'entraînement et par des presets, est devenu de plus en plus raciste dans New York, à tel point que ça a fait l'objet d'une alerte par Amnesty International, puisque en fait, des alertes étaient lancées à la police sur des individus plutôt afro-américains, arabes, moyen-orientaux, tout un délire, hispanique aussi. Hein. Donc voilà, donc il se trouve qu'aujourd'hui, on a même des IA qui sont surentraînées pour développer des choses de plus en plus racistes. De toute façon, je vous passerai les slides à la fin, mais si jamais vous êtes assez proche et que vous voulez scanner, vous pourrez lire le reporting d'Amnesty International qui fait vraiment très froid dans le dos sur la capacité que nous avons dans notre industrie à enrichir, hélas, les biais racistes. On parlait d'IBM.
avec Isabelle Collet ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affiche avec l'apport du coup des premiers ordinateurs personnels à la maison. Souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, dans les représentations blanches, en termes de communication, dans les pubs, ben, vous avez toutes ces personnes-là, noires, dont on ne parle jamais, qui pourtant ont lourdement participé à l'essor de l'informatique. Et ça, c'est une responsabilité qu'on doit absolument avoir, c'est-à-dire sortir de ces standards, sortir des sentiers battus et se réapproprier toute cette histoire afro-américaine notamment, mais ça peut couvrir plein d'autres personnes de la diversité, et se poser les bonnes questions. Par exemple, le monsieur qui est tout en bas à droite, c'est celui, en réalité, qui a lancé la meilleure performance chez IBM au tout départ. Et lui-là, tout le monde l'a oublié. Tout le monde est capable de citer ou de réfléchir à, je sais pas moi, Zuckerberg, Steve Jobs, etc. Pourquoi ? Je suis quasi sûre que personne ici est capable de citer l'une de ces personnes. Pourtant, il y a des gens du programme Apollo, il y a des gens d'IBM, il y a des gens qui... Pareil, le monsieur qui est juste au-dessus de celui qui est tout en bas à droite, c'est le papa du jeu vidéo, le rétro gaming. Vous le connaissiez ? Vous pouvez lever la main si vous le connaissiez. Personne. Donc vous voyez, on a un véritable... En fait, on est obligé de se réapproprier toutes ces histoires-là aujourd'hui pour avoir vraiment quelque chose d'éthique, de devoir de mémoire également, et qu'on doit insuffler dans nos équipes. Tout ça, là, normalement, si vous avez capté toutes les informations que je vous ai données, vous arrivez à une adaptabilité de votre produit auprès de vos utilisateurs qui sera totalement débiaisée. Donc, les quatre règles pour améliorer votre adaptabilité du produit avec une approche antiraciste, et ça, je veux absolument que vous repartiez avec ça, c'est que vous devez absolument devenir un défenseur de l'antiracisme dans la tech, avec une posture non égotique, pas dans le jugement, purement empathique, en allant chercher des histoires complètement diverses. Étudiez comment la technologie peut discriminer. Je vous ai donné des exemples, il y en a plein d'autres avec les différents QR codes que vous pourrez tout à fait lire. Vous devez aussi comparer et justifier différentes technologies antiracistes. Mine de rien, s'intéresser à comment fonctionne l'IA, parce que c'est un sujet en plein essor. Pourquoi on est encore en train de s'enfoncer encore plus auprès des personnes dites racisées? C'est un point qui est ultra important et qu'on ne doit pas négliger. Et pareil, on doit apprendre à mettre en œuvre des approches qui sont antiracistes dans notre propre travail, en se réappropriant tout un vocabulaire qui sera dit plutôt « safe ». Donc voilà, si vous voulez qu'on reste en contact ou qu'on discute plus encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que je serai dispo par ailleurs, donc vous pouvez me retrouver via ma boîte, donc soit merci si je fais que des missions freelance avec vous, ou sinon pattern.tech, vous pouvez me retrouver sur Blue Sky, sur LinkedIn, et si vous voulez avoir accès à toutes mes autres conférences, et c'est sur le petit QR code qui est juste là. Je vous remercie d'avoir participé à ce moment qui a soulever énormément de problématiques, et je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à plus tard du coup. Est-ce que vous avez des questions avant? Voilà, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous voulez poser des questions? Et donc vous avez un micro à votre disposition que je serais ravie de vous apporter. La première est toujours très difficile. Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour ta conférence. Ma question, c'est en fait, en tant que personne blanche qui voudrait devenir des alliés de l'antiracisme dans la tech, bien évidemment, c'est pas évident parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément, qui nous passent complètement à côté de nos expériences à nous. Est-ce que tu aurais un petit conseil sur comment commencer à s'éduquer? Comment commencer à prendre les bonnes pratiques et en fait, nous mettre sur le bon chemin quoi, à ce niveau-là. Je pense que le plus important, c'est de se renseigner, dans le sens qu'aujourd'hui, on a quand même accès à énormément d'informations qui sont pleinement en libre accès. Il ne faut pas hésiter à y aller. Là, je pense vous avoir fourni, par exemple, une très grande liste de personnes à regarder, à lire. On a la mémoire à honorer vis-à-vis de ces personnes-là. Moi, je ne suis pas arrivée... étant moi-même une personne dite de couleur ou une personne racisée, je n'arrive pas avec une science infuse en me disant je connais tout. Ce n'est pas vrai. Moi-même, il a fallu que j'aille chercher en profondeur parce que, mine de rien, j'ai toujours été baignée dans un environnement blanc
en tout cas, bah, du coup, en Europe. Peut-être que ça serait carrément autre chose si j'étais dans un autre continent ou dans une autre partie du monde. Mais il se trouve que je n'ai pas appris tout cela parce qu'on m'a dit, par le simple fait d'être racisée. Ça ne fonctionne pas. C'est comme on ne peut pas, je sais pas, prendre conscience de ses biais genrés alors qu'on est une femme ou un homme. C'est un véritable travail, on a besoin d'aller se renseigner en profondeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment ça, essayer de trouver des personnes. Vous tapez Black History Technology, par exemple, vous allez avoir des milliers de pages. Rien que ça, juste ces trois petits mots, et c'est toute une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous.